Applaudissements, mesdames, messieurs. Alexandra, Anzmia, Shaima, Daniati, Ismat, Ophélie, Inda et Savda, merci, mesdemoiselles, d'avoir enchanté notre soirée. Bientôt, nous saurons qui d'entre vous remporte la couronne de Miss Mayotte, celle de la Dauphine, première et deuxième. Pour cela, j'appelle sur cette scène maintenant Franck Servel, le délégué régional Miss Mayotte, et Sylvie Tellier. Franck Servel et Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France. Waouh. Johnny, tu peux leur demander on veut tout savoir, vas-y, dis-le, demande-le. Bon, puisqu'on a oublié un petit micro, alors... Est-ce qu'on peut avoir un micro en plus, s'il vous plaît ? Petite réaction. Bah, écoutez, une réaction assez positive, puisqu'on a passé une soirée formidable. On a eu un public extraordinaire ce soir. Donc voilà, je suis ravi de cette soirée. Sylvie, une petite réaction ? Bah écoutez, une soirée intense en émotions, un choix très difficile. Moi, je remercie tous mes collègues du jury qui étaient là ce soir parce qu'elles étaient 8 candidates de qualité ce soir. Je pense qu'on peut encore les applaudir parce que malheureusement, il n'y aura qu'une gagnante. Mais elles méritaient toutes cette couronne et cette écharpe. Merci beaucoup. Et maintenant, donc, Jane. Oui, alors, Franck, il faudrait qu'on appelle l'huissier. Donc, on appelle Monsieur Vincent Martin, huissier de justice à Mamoudzou. Celui qui porte l'enveloppe avec les résultats. Ouh là là, bonsoir maître. Maître, voilà, vous donnez l'enveloppe donc à monsieur Franck. Merci beaucoup du travail, merci beaucoup. Alors pour avoir été dans les coulisses, je peux vous dire que Lucie a beaucoup couru. Merci, merci maître. Ça a couru dans tous les sens. J'appelle sur scène maintenant Elisabeth Angaretto, Miss Mayotte 2010, pour remettre l'écharpe à la deuxième dauphine que l'on va découvrir dans quelques instants. Et Philippe Bourget, le directeur de la SMTPC, pour remettre son bouquet de fleurs à la deuxième dauphine pendant que Franck ouvre l'enveloppe et découvre les résultats. Ta-ta-ta. Franck, alors, vous avez la lourde tâche. Cette enveloppe pèse. Ouvrez cette enveloppe, allez, on n'en peut plus, on veut ouvrez. Savoir. Ouvrez-la. Voilà, merci beaucoup. Est élue ce soir deuxième dauphine de Miss Mayotte 2013, la candidate qui portait le numéro 3, Shaima. Bravo Shaima. Applaudissez Shaima. Bravo. Encore, continuez d'applaudir cette candidate au titre qui porte le titre de Shaima, deuxième dauphine de Miss Mayotte 2013. Bravo Shaima. Merci Shaima, merci beaucoup. Alors, on continue Franck. Oui, j'appelle sur scène maintenant Elodie Henri Douani, Miss Mayotte 2009, pour remettre l'écharpe de la première dauphine, ainsi que Stéphane Courgeot, le directeur de Canal Sat, pour son bouquet de fleurs. Je vous laisse nommer la première dauphine. Alors la première dauphine est la candidate numéro 1, Alexandra. Bravo Alexandra, sous vos applaudissements. Alexandra Marouane, première dauphine, et Shaima Ismaël, deuxième dauphine. Alexandra Bravo, Alexandra Marouane. Alexandra Marouane, première dauphine 2013. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elodie, également. Et RSO, bouquet de fleurs. Dauphine. J'appelle maintenant Stanislas Saïd, Miss Mayotte 2012, qui porte la couronne de Miss Mayotte 2013, Ina Rani de Longeau, Miss Tahiti 2012, pour lui remettre son écharpe, Evani Daoma, pour remettre son bouquet de fleurs à Miss Mayotte 2013. On vous écoute. On garde un peu le suspense de seconde. Oh non, j'en peux plus, moi. Vous voulez que je Alors, et pitié des candidates, s'il te plaît. Qui est élue Miss Mayotte 2013? Qui va donc représenter Mayotte à cette élection en France métropolitaine? Qui va se passer, Sylvie? Qui va se passer à Dijon, mon cher. Voilà. Quand? Et ce sera? Et ce sera le 7 décembre. Donc voilà. On est en direct de Dijon. Très bien. Une jeune femme va s'envoler pour la métropole, tout d'abord mi-novembre, et puis elle partira pour le Sri Lanka. Nous organiserons le voyage de préparation.
Elles sont 6 ce soir encore en lice pour ce titre de Miss Mayotte. Allez, on garde plus. Non, c'est bon, on n'en tient plus. Là, franchement. Si, on peut rajouter qu'elle chantera avec Axel Tony. Voilà. On peut faire encore durer. Elle sera couronnée de cadeaux. Elle est couverte de cadeaux. De bisous. Un dernier petit mot pour le suspense. Un grand merci à l'association WAMA, à Franck Servelle, parce que c'est grâce à eux, cette année, que Miss Mayotte sera représentée à Miss France. Parce que c'était un pari qui était très difficile. Voilà, et toute l'équipe l'a relevé avec un défi et un engagement exceptionnel. Donc bravo aux bénévoles. Applaudissez l'association WAMA, s'il vous plaît. Franck, on y va, parce qu'il y en a une qui va tomber là. Est élue ce soir Miss Mayotte 2013, la candidate qui portait le numéro 4, Daniati. Qui est notre Miss Mayotte 2013. Bravo Daniati. On lui remet sa couronne et son écharpe. Daniati est notre Miss Mayotte 2013. Daniati Salim qui s'avance devant vous, cher public. Applaudissez-la. Applaudissez-la chaleureusement. C'est votre nouvelle Miss Mayotte. Bravo à Daniati. Elle a mérité ce titre. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Daniati Salim est votre nouvelle Miss Mayotte 2013. Bravo Daniati Salim, votre nouvelle Miss Mayotte 2013. Miss Mayotte 2013. Bravo aussi à vous, mesdemoiselles, c'est Dauphine. Alexandra Marouane, première Dauphine. Et Shaima Ismaël, deuxième, première Dauphine. Bravo à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci pour votre venue à cette élection Miss Mayotte 2013. Je suis submergée par l'émotion. Ça a été un plaisir vraiment de vous avoir présenté cette émission ici en direct de Tchévani. Au nom de toute l'équipe de Mayotte Première, je n'oublie personne, Gérald Prufer et toute son équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Un grand merci à tous nos partenaires. On n'oublie vraiment personne. Merci à tous. Merci Johnny. Je suis submergée par l'émotion. Elle est submergée par l'émotion. Merci à vous, chers téléspectateurs. Madraba Mengi. Pour moi, Dungal Tchangazolini, Rivochalen Maraba, Kainafano, Mouono, Kamada Tsahula, Ukwari, Hiwa, Leo, Rizzo Parai, Nafasi, Rimhoji, Inch'Allah. Nekawanya Tua Kurva, Manada, Kika Moja, Tuner, Impose, Manas, Question Moja, Rachid Nambene, Kanto, Jean Fagnazio, et parlez quand même d'exclusivité et interview, Harma, Imayat Première. Merci à toutes les candidates également qui se sont démenées pendant 15 jours. Une petite interview de la Miss. Allez, viens. Alors, un petit mot de la Miss. Venez, accompagnez-nous. Voilà. Un tout petit mot. Vous ferez les photos, mais on est... Bravo, Daniati. Bravo, chère Dauphine. Alors, elle est où? Ah. Franchement, alors, ça va? Ça se calme un peu là? Oui, ça va. Est-ce que tu t'attendais franchement à être élue ce soir? Je ne m'y attendais plus. Alors, un petit mot quand même pour tous ceux qui t'ont soutenu ce soir. Je voudrais leur dire tous merci parce que je me suis beaucoup battue pour cette aventure et je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je voudrais aussi remercier l'association WAMA parce qu'ils nous ont beaucoup soutenus, ils nous ont beaucoup épaulés, Elodie, Stanisla, Elisabeth, nos chaperones. Et je voudrais aussi remercier ma famille. Natomizani, Bochele Marahabana, Maori. Allez, on arrête. Rogoshimaori. Merci.
Applaudissez-la très fort. Applaudissez-la. Votre nouvelle Miss Mayotte. Voilà, elle s'y attendait pas du tout. Elle est élue. Mais continuez à pleurer, c'est bon, c'est fini. Vous êtes élue Miss ce soir. On l'applaudit. Bravo Daniati, bravo. Merci Alexandra, à vous, chers téléspectateurs. Merci Shaima. Également aux Dauphines. Merci. À bientôt. À l'année prochaine, sur Mayotte première. Merci. Bravo, merci public. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci.